Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes, c'est Alex the Black Cat qui vous retrouve pour un nouvel épisode du Let's Play sur Need for Speed Most Wanted. Dans le dernier épisode, on avait fait quelques courses et on avait fait les défis avec les radars. Donc on avait bien avancé hein, sur les objectifs pour défier le numéro 14 de la liste noire, le fameux Taz. Taz qui est complètement taré, hein, comme le Taz de cartoon, là, Tazmania ou je sais pas quoi. Et on va lancer la course sprint avec un risque de rencontre avec les flics maximal, histoire qu'on les énerve un peu, qu'on accumule de la prime et donc qu'on avance dans nos objectifs. Surtout qu'ils vont me reconnaître, hein. Je suis bleu, je suis voyant. Allez, je pars devant là pour une fois. J'ai dit que je passais devant. Non mais oh, tu me pousses pas toi avec ta Punto. Ah, encore des chutes de FPS. C'est embêtant ça. Ouais, c'est variable. Oh mince, y a pas le raccourci. C'est bête. Voilà, oh non. Pas que je me mange les murs non plus. Ouais ouais, vas-y, pousse-moi. Ouais. Ah voilà, ils sont alertés, ils vont bientôt se ramener. On passe devant ma planque. Oula, angle droit, stop, non, super contrôle, plus nitro. Allez v'là, allez v'là. Salut. Et maintenant c'est parti pour les défis. Je suis super en visu. Poursuite code 3, les types tempérés. Punaise, il y a beaucoup d'angle droit dans cette course. Hein. Et mon jeu rame. Qu'est-ce qui se passe? Oula, oula. Ça ramouille un peu là. Eh oh, tu te calmes le jeu. J'ai dit tu te calmes le jeu. Bon, vous avez un magnifique ralenti. Ah non mais là mais c'est pas possible là. Pause, deux secondes. Je vais couper l'enregistrement, c'est peut-être ça qui fait que ça rame autant. Allez, je vous retrouve de suite. Ouais, donc ouais, j'espère que ça va mieux aller là. Hein, je sais pas ce qui se passe, mais des fois là, je pensais que le jeu était tellement vieux que mon PC le supporterait, mais je sais pas. Pourtant, il n'y a pas d'autres programmes qui nécessitent autant de ressources que je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Peut-être le fait que j'utilise la manette, je sais je pas. Confirme, le suspect a été vu pour la dernière fois. En attendant, j'ai semé les flics. De Heritage Ok. Le responsable confirme le verrouillage du secteur. On va taper là-dedans. Allez. La course est remportée. Maintenant, faut aller se cacher. Oh, mais j'ai pas rempli mes défis, là. Oh. Ils sont là. Ouais, ils sont là. Rien ici, absolument rien. Et pour les autres, qu'est-ce que ça donne? Oubliez. Allez, venez. Je vais doubler et le bloquer en montant la 1075. Attendez. Il a réussi à traverser le stade. Bon. Il traverse le terrain en direction de la sortie opposée. B. Maintenant. Il serait possible d'avoir des idées en amont de la poursuite. Ah, oh, ça m'énerve ça. Qu'est-ce qui se passe quoi? Qu'est-ce qu'il a le jeu? Bon, bah, ça c'est fait, hein. Non mais là c'est pas possible là, vous avez vu? Ça saccade sans arrêt. À toutes les unités sur la poursuite, le responsable demande à ce que vous abandonniez l'affaire.
Bon, je fais une nouvelle pause, hein, je suis désolé, mais mon ordi refuse d'obtempérer là. C'est pas moi qui refuse d'obtempérer face à la police, c'est mon ordi. Il veut pas m'obéir. Allez, bon, alors j'espère que là ça se passera mieux. Hein. J'ai coupé Steam, apparemment Steam consomme énormément de ressources. Donc je l'avais pas coupé lors des épisodes précédents, donc je pense que c'est à cause de lui. Allez, alors où est-ce qu'on en était? On n'avait pas rempli nos défis, hein. La poursuite était vraiment trop courte. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que... Je sais pas, on a fait combien de courses là? 3 sur 4? Bon, on en refait une et puis après, si on a le temps, on refera un petit défi. Vraiment navré, hein, pour ces coups de lag. Je ne m'attendais pas à ce que ça arrive sur ce genre de jeu. Mais bon, là, j'espère que ça va mieux tourner. Je laisse passer, hein, de toute façon, je suis sympa, moi. Pardon le taxi, désolé. Et je passe devant eux de toute façon tôt ou tard. Oula. Ce raccourci il est assez vicieux. Mais efficace. Vous voyez toute l'avance là que j'ai déjà pris. C'est une course en 3 tours donc tout peut arriver. Mais là si je continue à conduire comme ça. Je pense que je suis bien parti là, pour gagner. On passe là. Au cas où qu'il y ait des camions. Oula, il nous rattrape. Ah ouh. Non. Non. C'est quoi ces gens qui roulent à contresens là? Non mais oh. C'est une seule et même voie, hein. Non, je rigole, hein. Hop là, premier tour. Là, je repasse par ce raccourci. Par là, c'est plus safe. Pas de vitesse. Speed limit 60. Je suis à beaucoup plus. Il n'y a pas de radar automatique et tout ça comme ici. Hein. Comme quoi hein, les lois ont bien changé depuis. Allez, vas-y que ça rechute les FPS. Là je vois vraiment pas pourquoi. Je pense que outre le fait que mon ordi ne soit pas à jour, ce qui est bizarre, je pense plutôt à faire une petite défragmentation ou une recherche antivirus. Parce que là c'est vraiment c'est vraiment pas possible quoi. Attends. Allez, remonte. Je parle à Fraps, hein, les chiffres rouges là. Non mais tu te moques de moi là. Tu te moques de moi. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer la course. Et après on s'arrêtera là. Là je fais une pause là, pour laisser mon ordi le temps de se reposer. Hein, parce qu'il chauffe malgré qu'il y a un énorme ventilateur en dessous. Donc petite pause, allez. De toute façon, c'est pas comme si j'en avais déjà fait. Je vous retrouve tout de suite. Allez, on va finir cette course et puis je pense qu'après... j'éteindrai mon PC hein, parce que il a pas été sage. Vous voyez, il continue de ramer. Alors en mode pédalo. Il va me faire perdre la course à tous les coups ce con. Parce que je suis plus concentré là, je suis complètement déconcentré. Là.
Allez, on va essayer de faire en mode bullet time. Navré pour la qualité foireuse de cet épisode, je m'en excuse. Vous aurez le droit de m'insulter dans les commentaires. Ben bon, pour l'instant, j'ai pas eu énormément de retours. Ah non, mais non. Mais fonctionne dans ta vie de PC pourri, là. Fonctionne au moins. Hein? S'il y a un soir où il faut fonctionner, c'est bien celui-là. Non, mais oh. Tu crois que j'ai que ça à faire de m'arrêter de jouer? Non, mais oh. C'est pas vrai, ça. Hein, c'est du foutage de gueule, quoi. J'ai l'impression que... Des fois, mon ordinateur se moque de moi. Et après, on parle de conspiration, de machines qui veulent prendre le pouvoir, mais on est dedans. Mon ordinateur, c'est Skynet, quoi, sérieux. Allez, dérapage. Voilà, pare-brise pété, encore une fois. Allez. On va se garer là avec les bus, tiens. Voilà. Bon, c'est un peu mal garé, mais bon, ça va. Allez, on va se laisser là-dessus. Donc encore une fois, désolé hein, pour cet épisode. Surtout qu'avec ces nombreuses coupes, et ben comme il y a plusieurs fichiers au montage, je vais galérer et du coup le rendu final va peser très lourd. Donc c'est encore le disque dur qui va prendre cher. Je vous remercie malgré tout d'avoir regardé cet épisode, merci de suivre ce let's play, et je vous retrouve donc pour la prochaine vidéo, je l'espère, je l'espère, allez à plus.